Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo de courte durée, je vais vous montrer comment réinitialiser Illustrator. Donc je vais lancer Illustrator. Et après, on va chercher changer quelques réglages pour en être sûr que Illustrator il est bien réinitialisé. Donc là, je vais aller vers édition préférences générale. Quelqu'un est venu travailler sur votre poste et il aimerait te laisser un souvenir. Donc il a tout couché. On ne sait jamais, hein? Ça peut arriver. Donc je vais mettre la grille, les repères en jaune et la grille en jaune et je vais mettre OK. On va aussi aller vers la palette d'outils. Je vais changer, donc je double-clique et je change la forme de mon outil, sa taille. Donc je vais annuler pour vous montrer comment il était. Il était comme ça. Donc là, je vais changer sa forme et je vais changer sa taille. Et la fidélité, le lissage. Voilà, et je vais mettre OK. Donc là, il est devenu comme ça. On va changer pour autre, on va faire aussi pour la gomme, chose qui est géniale, hein. Taille, OK. Donc ma gomme, elle est comme ça. Donc elle nous permet de supprimer. OK. On va quitter. Non. Je vais réouvrir juste pour en être sûr que les réglages que je viens de faire, elles sont toujours là. Et après, on va réinitialiser. Allez, donc on va chercher préférences, préférences générales. Donc j'ai tout couché, c'est bon. Repérer gris, jaune. OK. Ctrl N. Je vais vérifier mon outil. Il est toujours avec cette forme. La gomme aussi. Donc je quitte. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de mettre vos doigts sur Ctrl, Shift et Alt. Ne pressez pas les trois boutons, vous attendez. Et vous mettez votre curseur sur l'écran de l'illustrateur. Et une fois vous cliquez sur Illustrator, à ce moment-là, et vite fait, vous pressez les trois boutons. Donc là, je vais cliquer sur l'écran de l'illustrateur et je presse mes trois boutons. Après, je relâche. J'aurai aucun message. C'était ça la différence entre Photoshop et Illustrator. Vous n'aurez aucun message. Mais elle va faire la réinitialisation. Bon, on va vérifier. Ctrl N, entrée. À la différence de Photoshop, Illustrator, elle n'a pas remis la palette ou le plan de travail en indispensable. C'est-à-dire, elle n'a pas remis à zéro. Donc, quand je vais faire réinitialiser, lui, il n'a pas fait ça. Réinitialiser. Par contre, Photoshop, il remet tout à zéro. Donc, Ctrl N. Et je vais vérifier les préférences. Donc j'ai tout coché. Là, il a décoché. Je vais vérifier repérer gris. Donc j'ai plié le jaune. Donc il a fait la réinitialisation. Je vais quand même vérifier avec l'outil forme de tâche. Donc j'ai repris ma forme, l'outil gomme. Et c'est bon. Il a réinitialisé le logiciel. Donc comme je l'ai dit, c'est à la différence de Photoshop qu'il te met un message. Illustrator, il ne met pas de message. Mais la réinitialisation, elle est faite. Je vous dis à bientôt et pour une autre vidéo, Inch'Allah. Jusque-là, je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à abonner et de liker et de me laisser un commentaire ou un message. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.